Bonjour, je m'appelle Nicolas Ponchon, je suis franchisé d'Elarté depuis 2010 et j'ai actuellement deux restaurants à Chartres et à Chambourcy. Avant de commencer mon parcours chez d'Elarté, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à différents postes de direction d'opérationnel dans des groupes en France et à l'étranger, notamment Center Parcs et Citadine. Donc j'ai choisi d'entreprendre en franchise en 2010 afin tout d'abord de sécuriser mon projet entrepreneurial. Je trouvais intéressant de rejoindre ce groupe qui est un groupe particulièrement dynamique, qui a un développement intéressant et qui a une vraie expérience aujourd'hui de la relation franchiseur-franchisé. Le franchiseur intervient à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il trouve et valide les sites, notamment le potentiel économique de chacun des sites, et puis nous accompagne ensuite dans la transmission évidemment du savoir-faire, notre formation, et puis également à l'ouverture de l'établissement, du restaurant ou à la reprise. Et puis tout au long de notre vie de franchisé, nous apporte le soutien nécessaire selon nos différents besoins. La période actuelle est un peu compliquée. Le fait d'être adhérent à un réseau de franchise est plutôt rassurant. Nous avons eu beaucoup de réactivité de la part du franchiseur, tant sur la mise en place d'offres marketing spécifiques, le développement de la vente à emporter, de la livraison, ce qui a permis de répondre à un besoin des clients tout d'abord, et puis d'un impératif économique pour nos établissements. Même si la problématique en région parisienne aujourd'hui n'est pas la même qu'en province, où les fréquentations ne sont pas les mêmes, et le franchiseur a su nous mettre à disposition un certain nombre d'outils pour maintenir notre activité ou essayer de limiter en tout cas la baisse de fréquentation. Aujourd'hui pour moi, les atouts de l'enseigne d'Elarté, c'est avant tout une proximité entre le franchiseur et le franchisé, mais également des outils performants et qui font aujourd'hui que l'enseigne d'Elarté est leader en France sur son secteur, et ce qui permet aujourd'hui d'aborder les années qui viennent de façon beaucoup plus sereine.